Sanasia. Sanasia Madia. Merci à tout le monde. Nous sommes avec un grand homme, un monsieur qui n'est plus à vous présenter, papa nécessaire. Vous comprenez le mot nécessaire? C'est une nécessité pour la Guinée, c'est une nécessité pour la ville de Touba, c'est une nécessité pour la jeunesse, c'est une nécessité pour tout le monde. Alors, grand-papa, bonsoir. Bonsoir maintenant. Comment ça va? Donc, alhamdulillah, rabbil alamina. A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mutahhir al mutahhir wa alihi wa sallim. Aujourd'hui, on est content. On est satisfait de le déroulement de ce fidao, de ce grand fidao de Karamoba. Vous savez, Karamoba, c'est un grand homme. Mais pour être un grand homme, il faut être un grand homme de Dieu. C'est ce qu'il a été. Donc l'histoire de Karamoba, ça fait très longtemps que l'Afrique est en train de le comprendre. Mais lui, c'est pas quelqu'un qui il n'a pas voulu se faire remarquer. Donc tous les temps, tous les voyages qu'il a fait, parce que son père d'abord a restauré une ville qui s'appelle Boundou-Didé. Et cette ville, c'était vers 1815. Il est venu vers ici. Mais avant qu'il quitte là-bas, il est parti à Genève au Mali. Comme il n'y a pas eu beaucoup de problèmes, mais la ville quand même, après la mort de son père, la ville n'a pas résisté. Parce que Karamoba est parti pour chercher encore beaucoup de... il est parti chez beaucoup de maîtres pour connaître encore beaucoup plus l'islam. Donc il a consulté 40 maîtres. Mais il a passé la littérature avec 30 mètres quand même. Mais les 10 mètres, c'était de connaître, à chercher de la bénédiction, et comprendre encore l'islam et aimer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est parti à Genève, ça c'est le Mali. Il est parti après à Libéria, après il est venu à Kankan, après il est venu à Timbo. C'est les 9 diwan. Les 9 diwan lui ont dit, mais on ne sait pas si vous êtes un marabout ou un grand chef de guerre. Parce que quelqu'un qui se déplace avec 3000, 4000 personnes, il dit c'est immense. Mais ce moment-là, il y avait des grands marabouts aussi à Timbo, tels que Cheikh Ibrahim Dalin. Bon, son fils, c'est Cheikh Kerno Sadou Dalin. Lui, il a fait même un livre sur Karamoba. Je l'ai ce livre-là. Bon, mais Kerno Ibrahim Dalin, les sages de Timbo, ils se sont réunis. Et donc, on veut que tu fasses un halwa sur Karamoba, sur cet homme-là. On veut savoir qui il est vraiment. Donc, Cheikh Ibrahim Dalin est rentré dans le halwa. Il a fait 7 jours. Septième jour, il est sorti. Il a dit, cet homme-là, ce n'est qu'un homme de Dieu. Mais si vous voulez, pour qu'on essaie de faire quelques inspections autour de lui, on va lui honorer avec un bœuf méchant. Ils ont cherché un bœuf, c'est 10 personnes qui l'ont amené, 10 hommes volontaires qui l'ont amené, tellement qu'il était très sévère. Donc au Karamoba, ils ont dit, voilà, ça c'est votre... respect qu'on a cherché pour vous. Bon, Karamoba est venu, il a dit, bon, vous allez enlever la corde. Il a dit non. Ils ont dit, il est méchant. Ils ont dit, non, enlevez. Ils ont enlevé. Karamoba est venu toucher sa tête. Le bœuf s'est couché entre eux. Ils l'ont égorgé comme un sacrifice. Ah. Les sages, ils ont remis la tête. Ils ont dit, là, il n'y a rien à dire. Ils ont dit, tu sais, le peuple, avant, pour qu'il laisse quelqu'un passer de le faire prier, c'est pas facile. Premier tome qu'ils ont fait ça pour lui à Timbo, c'est Karamoba. Le nom de Karamoba, il s'appelle Salim. C'est Timbo qui l'a appelé Karamoba. Quand il a fait tout ça, on l'a appelé, on dit, ah, toi, vous êtes Karamoba. Ce nom-là vient de Timbo. Donc, on lui a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, j'ai des talibs, je suis en train de les enseigner.
de l'islam et de hadith et de tout ce qui va avec, avec l'islam. Je cherche un endroit pour me restaurer et pour pouvoir enseigner mes talibs. Donc ils ont dit, bon, cherche à Fouta Diallo. Tu peux rester avec nous ici. Il a dit non, je cherche un endroit. Parce que l'une de ces femmes a rêvé tout bas. Il lui a expliqué, mais il cherche cet endroit-là. Il est venu alors jusqu'à... il a dit, bon, je me dirige vers l'abbé. Il est venu à l'abbé. De l'abbé, il y avait Kerno Alpha Molabé. La maman de Alpha Molabé et la grand-mère de Kramoba, Fatouma Sy. Kramoba, sa mère, sa grand-mère s'appelle Fatouma Sy. Et la maman de Alpha Molabé, hein, son famille. Donc là, Kramoba, il lui a dit à Kramoba de rester à l'abbé. Il a dit non. Je cherche un endroit. Il s'est dirigé encore vers Maliembere, jusqu'à la frontière de Kédougou, jusqu'à Touba Koto. Il y a un Touba ici qui s'appelle Touba Bakoni. C'est Touba Koto, c'est vers la frontière de Kédougou. C'est Kramoba qui a restauré là-bas aussi. C'est là-bas, c'est de là-bas qu'il a visé Touba d'ici là. Il a commencé à envoyer les talibs, il a commencé à envoyer jusqu'à il a su que c'était ici. Quand il est venu à notre cimetière à Salkenye, il a trouvé une dame. Il a dit, où nous sommes ici? Il a dit, ici, vous êtes à Binan. Dans le Binan, département de Binan. Il a dit, d'accord. Il a dit, mais je ne vois personne. Il a dit, ici, nous, le peuple, on se trouve là-haut de montagne. On fait descendre nos bœufs ici. C'est pourquoi vous n'avez pas trouvé beaucoup de monde. Il s'est restauré. Après, il est monté sur la montagne. Il allait dire bonjour à des sages. Ils l'ont dit, bon, bismillah. Parce qu'Alpha Molabé lui a donné une lettre. Donc, il a commencé à monter. Chaque vendredi, il monte là-haut pour aller prier là-bas. Bon, et ils l'ont donné feu vert. Ils l'ont dit, la mosquée, là, tu es grand, tu as beaucoup de monde. Tu as plus de... Parce que pour faire le Juma, si vous êtes 12 personnes, vous pouvez prier le Juma. Mais, or que lui, il avait plus de 4000 personnes. Donc il a dit, vous pouvez faire votre mosquée. D'accord. Il a dit, d'accord. Mais il a continué à monter encore là-haut. Pendant 7 ans. Ils ont dit, mais on ne comprend pas, cher. On vous a donné que vous construisez votre mosquée. Il a dit, oui, vous m'avez dit de construire la mosquée, mais vous ne m'avez pas donné l'ordre de prier dedans le Juma. Ah, ils ont dit, alors là, tu nous as respecté beaucoup. Donc maintenant, on vous donne l'ordre de prier chez vous. C'est comme ça que Touba est restauré. Quand il est venu ici, il était quelqu'un déjà vieux, parce qu'il avait 84 ans déjà. Donc, Touba, c'est cette Fidao, ça s'est passé comme ça. Bon, le Fidao maintenant, nous les jeunes, les hommes de Touba et les descendants de Kramoba et Yaha, bon, et on a essayé donc chaque année de faire le Fidao de Kramoba. Mais Fidao de Kramoba est financé par des citoyens de Touba, Krambaya et Yaha. On se donne la main, on essaie de faire comme on peut, hein? Parce que Dieu, avec la bénédiction, il a toujours facilité les choses. Voilà, quand tu parles des grands hommes de Dieu, Dieu a toujours facilité. Voilà. Donc, on a Saka Kramoba avait 12 enfants. Il a formé sa maison en 5 maisons. Donc, ces 5 maisons-là, ceux qui sont même pères, il les a réunis dans une maison. Pour comprendre cela, c'est comme les 5 prières. Et puis il y a Yaha. Il n'est pas venu tout seul. Il avait des compagnons fidèles. Des grands hommes, il avait faudé, hein, les Hafizul Quran, 73 personnes. Et le nom différent. Le jour où il est rentré ici, il est rentré avec 37 noms différents. Gracie, Fofana, Djahabi, Kaba. Donc, c'est avec eux qu'il a restauré Touba. C'est ce qu'on appelle ici Krambaya et Yaha. Donc maintenant, on s'est donné la main. Cette 15e édition qu'on a fait là, franchement,
c'était une réussite. Bon, ces maîtrises-là aussi, c'est grâce à Dieu qu'on essaye de faire comme on peut. Parce que la fourmi aspire à sa capacité pulmonaire. Voilà, chacun fait ce qu'elle peut. Donc pour accueillir les gens alors qu'ils viennent d'un peu partout dans le monde, par exemple le déjeuner que vous voyez à la mosquée, c'est mon frère là qui le fait. L'année passée, on a déjeuné là ici devant la mosquée plus de 5400 personnes. Cette année, ça a doublé. Donc tout ça, c'est pour que les gens qui viennent se trouvent chez eux. C'est comme le jour le prophète Mohammed est rentré à Madine. Voilà. Les gens qui viennent ici dans cette fidaoula, ils sont comme ça pour nous. Donc, si vous m'avez posé la question, donc on est très content de vous voir ici. Et on prie aussi pour la Guinée, pour nos gouvernements. Voilà. Parce que les choses ne sont pas faciles. Mais avec la bénédiction, hein, ils vont arriver, ils vont voir la route, ils vont être guidés par la bénédiction et par la littérature du Coran. Parce que cette année-là, on a lu tout bas ici seulement, on a lu mille fois le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire Fidao? Fidao, c'est des bénédictions. Lire le Coran et le Salat. Bon, plusieurs fois. Bon, et à la fin, on va lire le Hatim. C'est pourquoi tout le monde alors vient faire le Hatim ici. Karamba et Diaha, on a beaucoup de villes maintenant dans les différentes régions, dans les différents pays. Sénégal, tel que Sénégal, bon, Gambie, Guinée-Bissau, tout, Mali, il y a des descendants de Karamba et partout. Tout le monde fait ces littératures-là. C'est la conclusion maintenant qu'on vient faire ici à Touba. C'est ce qu'on appelle Fidao, le grand Fidao. Si on est arrivé jusqu'ici, franchement, c'est ce qu'on appelle le Fidao. On était content aussi d'accueillir ces foules. Tout le monde est rentré, a eu de coucher et à manger. Donc ça, c'est grâce à Dieu. Wassalam. Merci à notre papa nécessaire pour cette brillante explication, l'histoire réelle de Karamoroba, Karamoro Salim Diaby de Touba. Merci pour l'accueil. Et en plus, est-ce que vous avez un appel à lancer aujourd'hui à l'endroit de nos frères guinéens? Parce que c'est une honte. Quand vous venez à Touba, vous voyez des cars, des voitures, des autres pays. Mais vous ne verrez jamais des grands cars qui viennent de Conakry ou dans telle région. Cela est dû à quoi? Voilà. Donc ça aussi, chaque chose a ici Touba, et chaque chose a son temps et a ses moments. Par exemple, ça c'est Fidao de Karamoba. Mais on a d'autres Fidao ici qui s'appelle Magal. Magal, ça c'est comme le retour, le grand retour de Kran Sankoum. Ça c'est le petit-fils de Karamoba. Tu sais, Karamoba, il a restauré Touba 175 ans après, Touba de Sénégal a été né. Touba de Sénégal, Touba Mbaké. Deux siècles, voilà. Donc Karamoba, ce sont le temps de Sokhsri Mbaké et le temps de son petit-fils qui se sont rejoints. Karamoba est passé, son fils Karantassi Manga est passé, son petit-fils Karan Koutoubo est passé. C'est le fils de Karan Koutoubo a eu le temps avec Sokhsri Mbamba du Sénégal. Le moment là, il y a eu de ségrégation des Blancs. Bon, et ils sont venus, soulèvement des peuples. Tu sais, les Blancs étaient contre ça. Donc ils sont arrêtés, Sokhsri Mbamba. Ils l'ont amené au Gabon. Ils ont arrêté d'abord Saint-Maurice Touré. Ils l'ont amené au Gabon. Ces gens-là, ce sont des grands hommes de Dieu. Ils sont rois, mais ils ont été des grands hommes de Dieu. Saint-Maurice lit le Coran par cœur. Il lit le Salat. Quand il lit Dalal al-Khairat, il ne regarde pas derrière. Al-Fayyah aussi était comme ça. Ce sont des gens qui lit le Coran par cœur. Mais comment Dieu sait bien faire bien ces choses? Samori est parti au Gabon. Quand ils ont arrêté Sokhsri Mbamba au Sénégal, ils l'ont amené au Gabon.
ça a coïncidé la mort de Samori. Quand Samori est mort, c'est Sœur Sirmamba qui a prié sur lui. C'était sa mission, en quelque sorte, pour Dieu. Ils veulent que quelqu'un de pieux va prier ces rois-là. Alpha, on l'a arrêté, on l'a amené à Mauritanie, à Port-Étienne, Noadi. Donc, quand il est arrivé là-bas, ils l'ont arrêté Grand Sankou ici à Touba, ils l'ont amené là-bas, à Noadi. Mais Alpha est venu ici trois fois. Troisième fois, il s'est confié ici, au papa de Grand Sankou. Il a dit, Grand Sankou, le Grand Koutoubo lui a dit, Alpha, quand tu vas mourir, c'est moi qui vais prier sur toi. Mais c'est un roi, mais il a compris. Il ne sait pas ce que Grand Koutoubo veut lui dire. Parce que Grand Koutoubo est vieux, lui il est jeune. Et comme tu sais, les rois, ils ont l'esprit large. Il n'a pas posé de questions. C'est quand on l'a arrêté, il est à Noadib, ils l'ont arrêté Kan Sankou. Quand il a vu Kan Sankou, il a dit Sankou, Baba Mako Waliou. Il a dit Sankou, ton père, c'est un grand Waliou Lai. Un jour, il m'a dit, quand je vais mourir, c'est lui qui va prier sur moi. C'est aujourd'hui que j'ai eu la réponse. Tu n'es pas venu ici simple, tu es venu pour accomplir cette mission-là que ton papa m'a dit. Allahu Akbar. Il a dit, maintenant là, je suis malade. Quand Sankou a passé 7 ans là-bas, quand Alpha Yaya est décédé, il a prié sur lui, 2 semaines seulement, liberté provisoire est venue pour qu'il vienne à Dakar. Donc, l'histoire a voulu que ça se passe comme ça. Donc, le Sénégal fait des bénédictions pour le retour de Sœur Sirmamba. Nous aussi, on a commencé retardivement, mais on l'a commencé quand même. On va faire 4e édition là, 5e édition qui va venir là maintenant. Donc maintenant, ça aussi. Mais Grand Sankou, c'est un grand homme lu. C'est un grand intellectuel de tous les temps. Les livres que son père a sortis, tu l'amènes jusqu'à... Aujourd'hui, on les amène jusqu'à Tunisie et à Égypte. On les confirme seulement. Il a fait Kafiatul Kubra, il a fait Mursidil Moufid. C'est Kan Koutoubo qui a fait tout ça. Ici, là. Et c'est confirmé, c'est les Arabes. Bon, lui, mon fils, mon frère, là, il a son fils là-bas. Aujourd'hui, il est en Égypte. Mais c'est qu'il est en train de s'approcher des concours de master aujourd'hui. Donc, c'est Grand Sankou. Quand les Blancs l'ont arrêté, il est venu 7 ans après. Il a demandé à tous les gens de Touba de les donner leur premier fils. Ça, c'est tombé à 180 personnes. Grand Sankou les a lus de petits jusqu'à l'intention. Ils sont tous venus d'un grand maître, d'un grand Kramro de Maglis. Donc aujourd'hui, on lui doit ça. Si vous voyez que Touba, Kramoba n'a pas cherché d'argent, il n'a pas cherché de victoire, de quoi que ce soit, ce qu'il a cherché, c'est de la littérature. Voilà. Donc comme il y a mes frères aussi, ils vont vous accompagner. Bon, et on ne peut pas commencer toute cette belle histoire sans finir de faire salat à la prophète Mohamed. Vous savez, prophète Mohamed, Kramoba l'aimait tellement, il a donné tous les noms à prophète Mohamed. Tous les enfants de Kramoba s'appellent Mohamed. Mais il ajoute quelque chose, Mohamed Koulé, Mohamed Sansi, Mohamed Kabir, c'est comme ça qu'il a fait. Mohamed Kasso, c'est comme ça qu'il a fait. Kramoba, quand il bouge, chaque pas, il fait une salat. Alors Massali, Allah Sena, Mohamed, il prend. C'est comme ça qu'il marche. Donc on a des grands hommes aussi, comme Sœur Amadou Zajouli, hein, qui a fait le salat d'Alaïl al-Khairat. Il a parlé de Dieu dans un chapitre de Coran, de salat de Dalaïl al-Khairat. Voilà. Allahumma, birsil galbinda sugiudi la kaya seribiari zuhudi, obikaya Allahu ya zalinu. Fala se ayudani kafi khalizil uhudi, obikursika mukallalim bin nuri ila arsika lazimil mazidi,
bimaka na tatar sika haga gabla ntavluga sama watu sautarudi zaka isi kunta misulma lam tazalu hatu ilaha urifta bitawhidi fazalni minal muhibina al mahabubina al mukharrabina al asigina ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya wadud alamma salli ala sayyidina muhammadin nabi lasili sayyidin nabili allaji jaa bil wahyi wa tanzili وأولها بيان التأويل وجاهه لمين سيدنا جبريل بالكرامة والتفليل وسرى به ملك الجليل في ليل البهيم التأويل فكسف له أنا على الملكوت وأراه سنا زبروت والنظر إلى قدرة الخير دام الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مغرورة بالزمال والحسن والكمال والخير والإفلال Fait de droit pour tout le monde, pour la Guinée, puis pour toute la population, si vous voulez. Mais moi, ce qui me travaille beaucoup dans ma tête, c'est que nous, les Yaganqués, on est content d'être Guinéens, on est fiers d'être Guinéens. On voulait quand même que la Guinée aussi soit fière d'avoir Touba dans son sol. Parce que Touba, moi, j'avais 13 ans, je me suis retrouvé dans le bureau du président Ahmad Sékou Touré avec mon grand-père, Al-Hayy Hatour Mamadou. On était trois dans le bureau du président Ahmad Sékou Touré. Sékou Touré, mon grand-père et moi. J'avais 13 ans. Sékou Touré ne fait rien à l'époque. Je ne dis pas la politique. Mais tout ce qui concerne l'islam, certaines choses, sans consulter les as de Touba. Et le jour où le général Lansana Conté il a pris le pouvoir, il est venu président de la République, la première visite, c'était Touba. Il est venu sans rien, incomplet. Un tenir les militaires, il n'avait rien. Tellement qu'il était pressé pour venir à Touba. C'est nous qui avons appelé le tailleur. C'est le tailleur qui est venu, mais s'il allait faire un boubou rapidement pour le général. Vous voyez, tous ces grands hommes-là, ils ont respecté Touba. Ils ont fait tout pour Touba. Le pont que vous voyez là, c'est le temps de ce général Lansana Conté qui a fait ça. Ces deux-là, ils ont aimé Touba, ils ont respecté Touba, ils ont défendu Touba. C'est qu'ils arrivent, mais il faut pareil. C'est la première Touba sur la terre de l'Afrique, c'est ici. Il n'y a aucun Touba qui est né avant. Ça, c'est la première Touba, c'est ça qu'il faut comprendre. Avant, je connais la ministre Fatou Koïta. J'allais sur lui, j'allais chez elle. Même le premier ministre Biabogui, mon grand-père, c'était les gens à l'époque, vraiment, qui respectait le chose comment on appelle, qui avait le grand respect pour Touba. Voilà. Donc moi, voilà mon souci. Je veux que l'État guinéen reprenne sa responsabilité sur Touba. Pourquoi ça? Nous, la différence, ce qui me donne beaucoup encore de soucis, c'est qu'on voit de nos compatriotes ici qui vont exiler au Sénégal. Parce qu'ils se disent, on est mieux traité au Sénégal qu'à Touba en Guinée. On a des compatriotes au Sénégal qui ont la passeport de diplomatie. En Sénégal, les Yaganqués qui sont là-bas, c'est vérifiable. Ils sont tous les califs, tout ça, ils sont tous là, les passeports diplomatiques. Et nous. Nous voulons que l'État guinéen donne plein pouvoir à notre calife. Qu'il donne plein pouvoir, il veut la autorité à notre calife. Nous, comme je viens de dire, on est très fiers d'être Guinéen. Moi, je me rappelle une fois, j'arrive à l'aéroport de Douala, au Cameroun. J'avais pas de visa, rien. Quand on m'arrête à l'aéroport, on me dit, mais tu vas vous dire, non, moi je suis en transit. Et j'ai appelé le commissaire. Quand le commissaire est venu, il a dit, oh, pour là, il a dit, ça, c'est des enfants de Sékou Touré, ça, laissez-la partir. Vous voyez le respect qu'on avait à l'époque en Afrique. On était respecté partout. Moi, je suis parti de Côte d'Ivoire juste à Centrafrique avec un simple laisse-passer. On a fait tard. Dès que tu arrives au moment, on te dit, oh, ça, c'est un Guinéen. On était tellement respecté dans le monde, c'était incroyable. Nous voulons le même respect. Et surtout que l'État prend sa responsabilité, l'État respecte le Touba. Et que. On a un petit souci ici. Mais quel était le problème? C'était la faille de l'État. C'est l'État qui a failli.
Parce que l'État, il n'avait pas de... Il n'y avait pas de loi ici. Les gens faisaient n'importe... Tout le monde faisait n'importe quoi. On dit, j'ai un peu d'argent, je fais ce que je veux. Il n'y avait pas la loi. Il faut que l'État reprenne sa responsabilité, qu'il rétablisse la loi à Touba. Nous, on est fiers de Touba. Nous, on est fiers d'être Guinéens. On veut que l'État guinéen revienne comme Sékou Touré, comme général Antena Kontera de la Noue. Ce sont des Birmans, ce sont des personnes qui ont aimé cette ville. Sékou Touré, il a dormi ici. Avant, c'est là qu'il a dormi. La première fois qu'il est venu pour l'indépendance, c'est là qu'il a dormi. Et quand son fils est venu là, il y a 4 dizaines d'années maintenant, il est venu à Touraya là-bas, mais il aura mené jusqu'à ici. Il dit, ah, toi tu es venu, mais il faut qu'on t'amène là où ton père a résidé la première fois à Touba. Il est venu ici. Vous voyez, tu vois? Donc, il faut que l'État reprenne cette responsabilité. Il ne faut pas que nous soyons, comment on appelle, oui, on voit, on est, ça veut dire, c'est vrai qu'on est payé, pas la jalousie, mais on est payé, chose comment on appelle, quand on voit comment les gens sont bien traités au Sénégal là-bas, tout par rapport à nous ici, que nous, on est abandonnés par l'État, ça nous fait mal au cœur. L'État doit nous protéger, doit nous donner la route. Enfin, nous, chaque fois on prie pour la route, on en a 3. Gawal, Telmel, Gawal Boké, l'abbé. Mais si on en a moins un qui fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà, mais même s'il y a qui est Boké. Voilà, même s'il y a qui est Boké, c'est bon, on est content. Merci. Voilà. Bon, mais si je suis bien, je suis bien. Ça fait 2 ans à Rabama. Donc, à part d'un gars, il y a un gars. Je suis un peu plus grand. Touba be royamu fama ga duwa ofin afak bile agbakyo ki na dis ma wala alama agbakyo ki keren firin na tanya bi mai ala ka ubirin khaifan ala ga ndi sa o ka wali ku mai kora kri nouvel mu no ga fe touba youtube ma mu na to ma facebook ma o ga wali fa o na na ba ma orfele be ala ko fan sare fi amina ya rabbi awa tanan na la zuwa wala nta wana mu ga na ki touba touba mu na be na ki touba be ya won ka be ya won ka touba bi su nya Ça c'est what's that saying?